Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors unboxing aujourd'hui avec la boutique Paint Some Way. Voilà, je vous ai déjà présenté plusieurs fois des articles de chez eux, j'ai jamais eu de problème. C'est toujours nickel. La livraison, alors je l'ai reçue aujourd'hui, on est le 13 août. Et j'avais choisi mes articles le 29 juillet. Petite quinzaine comme d'habitude, moins d'une quinzaine, donc aucun souci sur le temps de livraison. Bon, malgré qu'en ce moment les livraisons c'est un peu plus long, hein. On voit que c'est en vacances, mais bon, non, là ça a été. Alors, deux articles aujourd'hui, un diamond painting et un article différent de ce que je prends d'habitude. Vous allez voir, je vais vous le montrer après. J'en avais pas encore pris, puis j'avais envie. Voilà, donc je m'en suis pris. Hein. en sachant que le deuxième article, j'avais fait un premier choix et manque de peau, il n'était plus en stock. Donc on m'a juste demandé si je voulais changer le modèle. Et bon, bah, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de problème. Ça arrive hein, que des fois, des articles ne soient plus en stock, mais bon. Alors, je vais commencer par quoi? Bah, par le DP. Allez. Et je vous montrerai en détail après, face bureau, pour les perles. Enfin, je vais faire le tout de suite même, parce que sinon, bah, ça ne sert à rien. Alors, on a nos perles, comme d'habitude, donc en sachet, en chapelet. Voilà, ce sont des perles rondes. Alors, par contre, je crois qu'il y en a un qui a dû... je sais pas, non, bah non, je croyais... Ah bah non, je pense pas. Je croyais qu'il y avait un sachet qui s'était craqué, mais je ne crois pas. Le petit toolkit, comme d'habitude, avec un grand carré de glue. Sinon, c'est un 40-50, donc en perles rondes. Et il y a combien de couleurs? Il y en a 23. Voilà. Je crois qu'il va y avoir... Oui, du noir. Noir, c'est noir. Vous allez comprendre. Allez, je vais me mettre face bureau et je vous montre tout ça en détail. Alors, voilà. Désolée, vous voyez le pied de mon téléphone. Mais voilà les perles. Alors, je vais vous les présenter, enfin vous les montrer. Donc, c'est un grand chapelet. Oui. Donc, voilà les couleurs. Alors, on va... Je vais peut-être éteindre là la lampe. Ça ira mieux. Et si j'éteins le flash, oui, c'est mieux. Voilà. Ah, il y a une petite qui se promène là. C'est pas très grave. Elles ont l'air nickel. Celui-là, je l'ai passé. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas l'air d'y avoir de... Hop là. Alors, ne floute pas, s'il te plaît. Voilà. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas l'air d'avoir des perles d'abîmer. Ça doit être les deux mêmes, je suppose. Oui. Oh, pardon. Voilà, du gris. Et ça, c'est le... Non, voyez. Alors, il est là-bas au bout. Ça, c'est un genre de marron très foncé. Voilà. Là, pareil. C'est un bleu marine. Vous voyez, elles sont vraiment nickel. Hein. Là, on va dans les gris.
pardon. Un gris plus foncé. Et ce que je disais, noir, c'est noir. Voilà. Il y a 4 paquets de noir. Encore un gris. Et là, un bordeaux marron. Voilà. Donc voilà pour les couleurs. Hop. Désolée pour le bruit. Je vais les mettre sur le côté. Je rangerai ça après. Alors, je vais vous tourner un tout petit peu pour mieux vous montrer le kit. Et voilà le kit. Alors, voilà pourquoi je vous disais noir, c'est noir. C'est Johnny Hallyday sur sa moto. Voilà, c'est Chouchou qui l'a choisi. J'avais déjà fait un Johnny Hallyday, moi, pour il y a quelques temps. Et donc, Chouchou a choisi celui-là. Alors, j'essaye de vous montrer. Voilà, comme ça, ça brille moins. Alors, on va regarder l'impression. On va regarder d'abord l'impression côté noir, enfin côté foncé. Allez, ça floute. Ah, voilà. Vous voyez, c'est nickel. Côté colle, c'est nickel aussi. Bon, celui-là, par contre, on va devoir le repasser un petit peu. Il y a les plis. C'est pas des rivières, c'est juste les plis de pliage. Et ici... Bon, désolé, je vous mets les lettres à l'envers, mais... Voilà. Oui, si, ça colle. En plus, avec la chaleur, ça colle encore plus. Donc, voilà. Là, il faudra que je remette bien le plastique, mais on va le retirer de toute façon pour mettre à la place le papier sulfurisé. Et je lui donnerai un petit coup de fer avant. Oui, bon, bah, de toute façon. Vous voyez, parce que là, il est quand même un petit peu chiffonné derrière, mais c'est pas très grave. Je vais juste le repasser. Je vous ai déjà montré hein, sur des vidéos comment je faisais pour repasser les kits avant de les faire. Donc, votre fer à repasser, une bonne serviette éponge pour mettre au-dessus, mais dans ce sens-là, hein, surtout, vous repassez de ce côté-là, avec une serviette éponge dessus. Et puis, voilà. Bon, moi, des fois, je m'arrive de mettre un petit peu de vapeur, mais très, très rapidement. Mais il faut y aller vraiment rapide. Quand je vois qu'il y a des petits plis qui chipotent... mais sinon, il n'y a pas de problème. Donc, voilà pour le DP. Donc, de Chouchou, 40-50, 23 couleurs. Et Johnny. Il aime beaucoup Johnny. Enfin, c'est pas le fan qui va... Comment? Qui a tout du Johnny à la maison, hein, je vous rassure. Mais il aime bien Johnny. Moi aussi, j'aime bien. Pas tout. Je n'aime pas tout de Johnny Hallyday, mais ça va. Allez, je vous mets ça sur le côté. Et maintenant, alors je vais vous laisser, je pense, le téléphone comme ça. Voilà. Un petit chat. Et oui, en forme de coussin. Voilà. Donc c'est. Là, on ne va pas dire que c'est une broderie, on va dire que c'est une tapisserie. Alors attendez, je retire tout puisqu'une broderie pardon, c'est beaucoup plus fin. Là c'est une tapisserie de toute façon DIY tapestry, je crois pas, je crois que ça veut dire tapisserie, oui. Alors c'est un 42 sur sac sur 42. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Là, bien sûr, c'est de la laine. Hein. Voilà, je vous montre ça en détail tout de suite après. Est-ce qu'il y a une aiguille là-dessus? Pas là, peut-être qu'on a une... Oui, elles sont là, les aiguilles. Alors, j'ai des aiguilles avec...
Je vais vous les montrer. Et j'ai même le fil pour coudre. Hop là, viens là. Voilà. Ça, c'est le fil pour moi coudre le coussin. Et j'ai 200 d'aiguilles. Alors, est-ce que je remets le flash? Oui. Voilà. Donc, une très grosse qui va servir à faire le coussin avec la laine. Et une plus fine qui va servir à coudre le coussin. Voilà. Donc, ça, c'est le petit matériel. Hop, pas perdre le fil surtout. Bon, j'en ai, hein, même si je le perdais, mais... On a ici, alors il y a 12 couleurs. Voilà. J'ai le patron sur papier glacé. Donc il fait 100 sur 100 en nombre de points. Les 12 couleurs. Et ici, alors, bon, c'est en anglais, mais c'est comme sur les autres broderies. Sur les broderies, il vous explique comment faire les points. Voilà. Alors, celle-ci, est-ce qu'elle se fait... Je crois que c'est du point de croix ou c'est juste le point de la demi-croix. Tac, tac, tac. Non, ça ressemble à une croix. Des fois, on peut le faire en demi-croix. Hein. Donc, c'est pour ça. Non, voilà, vous voyez. Hop, alors attendez que je vous montre. Voilà, ce sont des croix. Donc ça, c'est bon. Ensuite, j'ai le dos du coussin. Voilà, ça ce sera l'envers, bien sûr. Je vous montre le tissu. Et ici, ce sera l'endroit. Voilà. Donc, avec sa fermeture éclair, déjà montée, donc c'est très bien. Alors, par contre, je n'ai pas de housse. Je verrai à l'usage, quand je l'aurai fait, si j'ai besoin de mettre une housse en plus à l'intérieur ou pas, pour mettre la... Comment on appelle ça ? La mousse à l'intérieur, ça je verrai à ce moment-là. Ça, bon, le bourrage, on ne l'a pas. Hein. Mais c'est pas, on en trouve hein, un peu partout et c'est pas très cher. Hein. Et voilà, donc, la toile, hein, très rigide. Hop, je vous montre les fils après. Du coup, j'ai fait à l'envers, là. Voilà la grille. Du petit minou. Alors, je vous montre la grandeur des trous. Voilà. Alors là, en CT, je ne sais pas à quoi ça correspond. Hein, par contre, je ne saurais pas vous le dire. Si je le vois, si je vois que c'est marqué sur le site, je vous le remarquerai. Mais là, je ne sais pas en CT combien. Voilà. C'est très gros. Mais ça va aller très vite à faire. Hein. Comme c'est de la grosse laine, ça va aller très très vite à faire. Enfin, très très vite. C'est subjectif, mais il faudra pas 6 mois pour le faire. Et bien sûr, donc voilà, on a la laine. Alors là, c'est la 11 et la 12. Voilà. Blanc, le beige. Et ici, nous avons les autres couleurs. Alors, un marron clair, un petit peu plus foncé, marron, on va dire un marron rouge. Deux sortes de bleu, voilà. Un orange. Un orange plus foncé. Deux sortes de gris, là, vous voyez, c'est très léger, mais c'est bien deux gris différents. Un noir, bon, il n'y a pas grand-chose en noir, hein, ça va être pour les yeux. Et un bleu ciel, voilà, comme ça.
voyez. Donc là, ce sont, c'est de la grosse laine, comme pour nos pelotes de laine. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc quelque chose de différent. Je recherche. Où est-ce que j'ai mis le dessin, la pochette? Ah, elle est là. Je vous remontre à la fin ce que ça fera. Voilà. Je regarde s'ils ont marqué quand même le CT, mais non, c'est marqué nulle part. Bon, je regarderai sur le site. Alors, j'ai reçu la pochette un petit peu craquée, mais bon, ça n'a pas abîmé le kit, donc c'est pas un problème. Ça, la pochette, après, je la jette, hein, donc moi, tant que ça n'a pas abîmé la toile, après, je m'en fiche. Donc, voilà, un petit minou. Donc, il faudra que je fasse. Et puis après, ben, quand je l'aurai terminé, je vous montrerai hein, en vidéo, bien sûr. Et quand je l'aurai terminé, je vous ferai une vidéo également pour le montage de ce coussin. Voilà. Alors aujourd'hui, ben, comme ça, vous avez pu voir un DP, une tapisserie coussin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos, comme d'habitude, les liens de la boutique, les liens des articles que je vous ai présentés. Et si j'ai d'autres choses utiles à vous mettre, je vais vous les mettre également. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Hein, ça se passe toujours en commentaire. Ça, ça n'a pas changé. Au passage, des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et ben nous, maintenant, on va se retrouver rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.